Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette première du 5 septembre. C'est la rentrée à TQS pour nous avec l'avocat et le bon diable. Vous savez fort bien qu'on dit un bon diable et on dit un avocat véreux. On lui souhaite bonne chance quand même. Oui, bonjour, merci. C'est sympathique. Ça va bien, vous? En pleine forme, oui, sympathique. Oui. Avez-vous couché dans votre cercueil cette nuit? Oui, et ça a été très agréable. J'ai couché une semaine dedans. Ah oui? Vous avez l'air reposé, d'ailleurs. En vacances. Avez-vous fait poser des haut-parleurs après les photos de votre municipalité pour qu'on puisse vous entendre? Non. Si jamais des élections, vous avez été élu avec cette émission? Tout le monde est à l'écoute. Ah oui, tout le monde est à l'écoute. Il n'y a pas de doute. Il y en a plusieurs qui nous... Moi, je veux féliciter notre ami Franco Nuovo qui a mangé une volée cet été. Apparemment, il est retourné. Il est retourné au journal, oui, comme si de rien n'était. Émission, mais je veux féliciter le trottoir qui a flanqué une volée. Ça nous retombe toujours d'en face hein, quand on critique les autres. À un moment donné. Et toujours est-il que je vous ai entendu aussi... vanter ce génie, cette élite qui devrait être parmi les élites politiques cet été, Jeff Filion. Oui. On va parler de Céline tout à l'heure, vous n'en faites pas, mesdames et messieurs. Oui, Jeff Filion, un très bon garçon. T'es beau, hein? Oui. Qu'est-ce que vous avez contre lui? C'est édifiant, hein? Mais quoi? Mais Jeff Filion... Il est dans votre lignée, c'est dans votre cuvée à part de ça. Ben oui, un gars qui remet en cause le système. Je comprends qu'il y a un peu de fioriture autour. Moi, j'ai jamais dit la fille du maire Gendron, j'aimerais ça l'avoir devant moi, puis je la fourrais sur le hood. Non, non. Jamais dit ça. Les concours de scène. Non, mais si j'avais dit ça pour votre fille, est-ce que vous défendriez encore? Non, ça, je comprends. Mais en enlevant... Non, non, personnellement, si on est attaqué, mais s'il y a de la fioriture autour, enlevons la fioriture. Puis quant au fond, moi, je pense que c'est un gars qui a de l'avenir. Il faut le trouver, le fond, il est mou. Combien d'entrevues vous avez écoutées de Jeff Filion, vous? Bien, ce que j'ai entendu, c'est toujours des légendes urbaines, de la scatologie puis des vulgarités. Que je te vous avez déjà sacré, je ne dis pas qu'il n'y a pas de talent. J'ai sacré une fois à 44 ans, quand même. C'est vrai? Faire une fois, il faudrait que je sois vraiment fâché. Hein? Oui. Hey, j'avais vu Britney Spears, est enceinte. La trouvez-vous excitante? Non, mais si tu son petit, il n'a pas besoin de vitamines à base de fer. Non. Avec les anneaux qu'elle a dans le nez, dans le ventre, dans le derrière. Je dis que du fer, il va en avoir l'intelligence de cet enfant-là. En fait. Oui. Et les gens de cette île, comment je l'ai trouvé? Pendant qu'en Louisiane, misère, on a reçu trois bombes atomiques sur la tête. Hey, ça, c'est comme nos cons d'Air Transat qui avaient été pris au Mexique, là, qui se plaignaient le ventre plein parce qu'il y avait passé quatre personnes dans la même toilette. C'est la même chose. Ces gens se plaignent pour rien. Parlant de la Louisiane, c'est drôle, hein, quand on fait l'histoire, j'entendais des experts en histoire qui disaient Napoléon s'était fait rouler, Jefferson avait fait le commerce ou le marché du siècle en s'accaparant pour 8 millions, 18 millions des intérêts de la Louisiane, qui était plus grande que celle d'aujourd'hui quand même. Il doit aller dans sa tombe quand il voit qu'il y a 30 milliards de dommages. Hein? Ah, 30, puis on est rendu à 50 milliards même, ça va augmenter encore plus. Et 3 milliards par semaine pour l'Irak, ça fait bien des soldats, des hélicoptères qui sont... Oui. Concentré là-bas. Et là, on a eu la sortie de notre amie Céline Dion. Moi, je lui dis bravo à Céline. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'elle paye des taxes, elle paye assez d'impôts pour faire vivre nombre d'Américains, doit avoir droit au chapitre. Mais si elle n'était pas multimillionnaire, si elle n'était pas en spectacle à Vegas encore pour 2-3 ans où elle doit faire rouler cette économie-là, parce qu'ils ont bâti une salle pour elle, est-ce qu'elle aurait fait la même sortie? Si elle était dans les souliers de Ginette Renault, est-ce qu'elle aurait fait la même sortie? Non, penses-tu que je peux me permettre de faire une sortie? Moi, je dis, hey, Bush, j'aimerais bien ça que tu t'occupes déjà de la Louisiane. Pourquoi? C'est parce que c'est un État pauvre, tu t'en occupes pas, voyons donc. Mais quel impact ça a cette sortie-là? Avec l'impôt qu'elle paye à faire vivre nombre d'Américains et une industrie, je ne sais pas si cette Américaine a dit « our country ». Tout le temps. Elle a peut-être la double nationalité maintenant, je ne suis pas au courant. Je ne pense pas qu'elle soit américaine. Je pense qu'elle a eu, en tout cas, droit au chapitre, elle a bien fait. Et là, j'avais vu tous ces enfoirés d'autres artistes de tricoteux de panier de la gauche qui rentrent dans le mouvement pour se faire du capital politique sur la tête de Bush. Mais je ne suis pas sûr. Mais Céline, en tant que telle, oui, mais elle avait raison. La sortie de Michael Moore, c'est drôle, ça tombe en même temps. C'est comme s'il y avait eu une espèce d'agenda caché. Ça semble organisé, cette affaire-là. Michael Moore sort, Céline Dion sort. Organisé par les démocrates, quoi. Sûrement. Sûrement. Il y en demeure pas moins qu'il faut quand même être assez logique. Quand tu as tapé sa tête, comme on le fait sur Bush, Bush a baissé les impôts pour les raisons qu'on connaît. Ce pays-là est combien de milliards dans le rouge? 400 milliards. Et ça augmente avec la guerre. Ça augmente avec la guerre. 3 milliards par semaine pour la guerre. Bon, près de 30 milliards dans le cas de la Louisiane. Il n'a pas mis d'argent dans les infrastructures. Mais je ne comprends pas. Il me semble qu'on n'aurait pas pu être plus intelligent que ça à dire et le maire, et le gouverneur, et Bush, tâchez de réquisitionner tout ce qu'il y a de Zodiac, hein? Pas des dinguis, comme Mme Dubuc dit à Laval, des Zodiacs, puis pour aller chercher les gens le plus vite possible. Tâchez de me réquisitionner tous les hélicoptères privés. Hein, beaucoup. Les États-Unis, c'est le pays des hélicoptères. Oui, puis même si les hélicoptères sont en Irak, il y en a pas beaucoup ici. J'ai l'impression, je vois ces dirigeants-là. Le maire de la Nouvelle-Orléans, Nagas, passe pour un héros. Moi, c'est drôle, je vois Jean Charest partout là-dedans. Jean Charest dans George Bush, Jean Charest dans le gouverneur, Jean Charest dans le maire. C'est des gens...
Le 26 août, on le savait que ça allait être catégorie 4, que ça allait prendre pied le 29, que c'était du jamais vu. Puis tout le monde dormait au gaz, puis l'évacuation s'est faite la veille. Voyons donc. La nature est imprévisible comme une femme. Oui. Mais quand même, ils sont vite pour nous dire code orange, code rouge, code jaune, code ici, code ça. Le Homeland Security. Ils sont bien vite pour ça, alors que c'est de la frime. En tout cas, moi, je pense qu'on aurait pu au moins réquisitionner tout ce qu'il y avait dans l'entreprise privée en 24 heures. Vite les Zodiacs, vite les hélicoptères. Bon, les secouristes, tous les autres. On le sait, Charest va envoyer combien? 10 000 couvertures puis des lits. Charest est sorti de sa tente à oxygène. D'ailleurs, en fin de semaine, je pense qu'il a participé quelque part là, pour faire une étude de faisabilité. Oui. Le canal Soulanges, encore 2,4 millions, dont 5 millions avaient déjà été donnés pour des études, probablement des amis du... Qui ne s'en fassent pas, les gens de Soulanges-Vaudreuil. C'est un comté libéral? Oui. Mais là, on n'a pas pareil. Là, on pense, ça, c'est comme l'estacade. On demande un petit bureau d'avocat. De quelle obédience êtes-vous? Vous êtes libéral? Oui, parfait. Quand c'est le PQ, quelle obédience êtes-vous? Vous allez faire une étude de faisabilité. Ben oui, ça fait vivre les amis du parti. On met ça sur la tablette et encore une fois, on frustre les gens. Moi, je veux féliciter mon cher Stéphane, monsieur le maire, monsieur le premier magistrat. Qui? On salue les gens de votre municipalité. Oui, Huntington, je sais que les micros ont été installés, les haut-parleurs. La compagnie Avon, 110 ans d'âge, au mois de mai dernier, il y a eu une tentative de syndicalisation. Un début, combat. 25 % des 125 employés ont dit oui au syndicat. Les autres, ils ont dit, avons pas de besoin du syndicat. Non. Ben. Les enfoirés, que ça protège. Ces gens-là aiment se faire exploiter. Les malheureux, les chialeux. Vous n'avez pas me dit que les travailleuses d'Avon sont respectées dans leur travail? Là. Vous êtes en train de me dire qu'on les exploite pas. Comment m'expliquer que 80 % des gens ont dit non? Ben, parce que c'est la culture de l'abrutissement. Ben, voyons donc! Ben, certainement. Ben, ces gens-là ont été exploités pendant 110 ans. Êtes-vous syndiqué, vous? Non, j'ai pas besoin d'être syndiqué. Vous êtes un abruti? Non, je ne suis pas syndical. Voulez-vous qu'on syndique ici? Là? On pourrait syndiquer, vous puis moi? Non, mais moi, ça fait toute ma vie. Je n'ai pas eu besoin de syndiquer. Je t'ai impigé. Je peux non, me mettre dehors. Non, mais la femme qui vend des produits avant, peut-être qu'elle aurait besoin d'un peu de protection. Ça, c'est comme les femmes qui gardent des enfants à la maison, les responsables de garde en milieu familial. Le PQ leur a enlevé le droit de se syndiquer puis sont payés 18 $ par jour. Heureusement! Comment heureusement? C'est du monde exploité. Ben oui, puis que gars, que ça comme conséquence des grèves à tout bout de champ. Pis... on va donner une loi de grève au secteur public parapublic. Nous sommes des adultes, on ne l'utilisera pas. Ça fait 40 ans qu'on se fait emmerder. Voyons donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et bon, on en reparlera dans un sujet plus précis. Oui. En tout cas, moi, je dis bravo aux employés d'Avon. Avons pas de besoin. Bon, puis Céline Dion, qu'est-ce qu'on fait avec elle? C'est une opportuniste ou quoi? Non, c'est pas une opportuniste. Non, vous pensez que si elle n'était pas millionnaire avec son mari, là, elle serait sortie quand même? Vous, Céline Dion, vous aux dents croches, là, aux dents croches dans le temps du pape, est-ce qu'elle serait sortie, d'après vous? Elle n'était pas devenue le géant qu'elle est là. Non, ça, c'était avant la transformation extrême. Mais oui, elle a bâti sa carrière dans un sommet. Maintenant, elle a une responsabilité sociale. Oui, mais quand elle est sortie en Espagne sur le Canada en disant « Nous avons un beau pays, un beau pays. » Je vous ai entendu à la radio à l'époque. Vous étiez dans tous vos états. Pas vrai. Puis là, aujourd'hui, c'est une héroïne. Non, non, elle était pour le statut de société distincte. Elle avait dit ça en Espagne à une exposition. Mais elle n'était pas la géante qui est là. Elle défendait le fédéralisme. Ben oui, ça devrait te plaire. Ben oui, bon. J'ai pas de problème avec ça. J'ai vu en Est-ce que j'ai un problème? J'ai essayé de rejoindre ce maire-là, mesdames et messieurs. Quel maire? Tu vois, on a la caméra dans les yeux, là. J'ai voulu communiquer avec ce maire-là ce matin, avec son cellulaire, ça répond en anglais, un maire sur le territoire québécois. Bon. Pas honte! Ben non, c'est correct, ça. Moi, je sens une population bilingue. Population bilingue, il y a trois, quatre têtes carrées dans ta ville, puis envoie, on passe à la Là, vous partez tout ça pour de la flatterie. Mais là, je peux pas m'en aller, je suis sous contrat. Ça vous agace, je vais rester ici. Donc, la belle Céline. Vous allez être candidat aux élections? Peut-être. Est-ce que cette émission-là va être un tremplin pour vous? J'espère que non. Comment? Ben voyons donc! Qu'est-ce que c'est ça? Je veux pas de tremplin, mais ma vie est pleine. Quand vous allez être connu au bout de cette série-là, peut-être que vous allez pouvoir aller sur la place publique faire des déclarations à la Céline Dion, vous aussi. Je veux pas d'intérêt à faire ça. Alors, voilà! Tout le monde au Québec parle de l'émission Le Bachelor. Laissez-moi vous présenter pour la toute première fois les 25 candidates exceptionnelles que nous avons retenues. Pour tout savoir, suivez Le Bachelor dès cet automne à TQS. Est-ce que je vous l'ai présenté, Le Bachelor? J'aurais aimé vous en montrer plus, mais il faut que je disparaisse. Bulletin spécial du magazine La Semaine. Stéphane de Normétal se vide le cœur. Des révélations choc. Aussi, votre télésemaine avec 800 photos. Bonne semaine. La Semaine, le grand magazine indépendant. Le Collège April Fortier innove en proposant un volet supplémentaire et parallèle à sa vocation première.
Le Collège April Fortier s'est doté d'un simulateur de vol vraiment exceptionnel. Il permet une vision périphérique de 225 degrés sur 5 écrans de 50 pouces. Vous pouvez visiter toutes les régions du globe grâce au simulateur du Collège April Fortier. C'est avec beaucoup de fébrilité et d'enthousiasme que le commandant de bord Normand Fortier vous attend. Le capitaine et les membres de l'équipage du restaurant Omar Plus vous invitent à bord. Venez apprécier notre vaste sélection de poissons frais et de fruits de mer, spécialement importés et sélectionnés quotidiennement pour vous, de par le monde à travers les océans. En avant, toutes! Pâtes de crabe à volonté tous les lundis. Les mardis, langoustines à volonté. Alors que les mercredis, place aux crevettes à volonté. Et tous les jeudis, moules à volonté. Omar Plus! C'est la mer dans votre assiette. Fondée en 1918 au cœur de la Montérégie au Québec, la compagnie À la Sonde compte plus de 500 employés et est un véritable leader canadien dans la fabrication de jus et de boissons de fruits. À la Sonde soutient depuis toujours les familles québécoises soucieuses de leur alimentation et de leur mieux-être et s'implique encore cette année par sa participation au Festival de la santé Oasis Marathon International de Montréal. Au Grand Journal, il y a de l'électricité dans l'air. À 11h30, Isabelle Vachon vous donne le droit de parole. On discute dans la plus importante tribune téléphonique. Votre opinion compte. À midi, vous avez le droit de savoir la dernière actualité de l'heure. À midi 15, Benoît Dutrisac vous donne le droit de questionner. Il bouleverse les conventions, questionne, fulmine, critique avec des propos non censurés. Isabelle Vachon et Benoît Dutrisac, un mélange explosif. Au Grand Journal, en semaine 11h30. Lundi à Flash, en direct de la Mostra de Venise, Patrick Marcellet avec l'équipe du film Crazy. Patrick Masbourian parachuté au lancement du parfum pour homme de Paris Hilton. Et on vous emmène sur le plateau de tournage du tout nouveau vidéoclip de Céline Dion. Flash à 18h30. À rire et délire! Vous allez voir que c'est pas parce qu'on a une corde entre les mains que faire le Tarzan est un jeu d'enfant! Rire et délire! Complètement tordant! Ce mardi, 19h à TQS! Bulletin spécial du magazine La Semaine. Stéphane de Normétal se vide le cœur. Des révélations choc. Aussi, votre télésemaine avec 800 photos. Bonne semaine. La Semaine, le grand magazine indépendant. Il y en a qui prétendent que Céline Dion se met le nez là où elle n'a pas d'affaires parce que, tout simplement, elle n'est pas américaine. Elle a dit, en tout cas, notre pays, puis nous, puis... Peut-être qu'elle a eu sa double citoyenneté, je ne sais pas. Tant mieux pour elle. Non, on ne l'a pas eu. On aurait entendu parler. Elle a fait un show avec ça, ça avait été américaine. Il y a quelqu'un ici qui t'appuie, une tête, un bardeau fêlé, sans doute. Isabelle Robert, 29 ans, est encore jeune. Elle me donne l'impression d'être rendue américaine et de ne plus être québécoise. A-t-elle aidé les gens de la Côte-Nord? Hey, franchement. Non, les gens de la Côte-Nord, on pense ça. Tant qu'à moi, les gens de la Côte-Nord peuvent... En tout cas, bon, alors voyez-vous, vous n'avez pas d'impôts, vous n'avez pas d'appui, Mme Robert. Pourquoi Céline a-t-elle raison? Tout simplement parce qu'elle paye suffisamment d'impôts. C'est vrai qu'on ne paye pas comme au Québec. On paye quoi? 28-32% à peu près. Maximum aux États-Unis. Mais quand même, elle paye assez d'impôts pour avoir un mot à dire, je pense, dans la société. Vous allez me dire qu'elle est émotive puis qu'elle broye des larmes de crocodile. C'est une mère. Je pense qu'émotivement, elle était affectée. C'est vous-même qui défendez les émotifs. Oui, non, mais ça, j'ai pas de problème à pleurer. Vous allez me dire, le maire de Nouvelle-Orléans a pleuré en public, puis c'était correct. Là, c'était peut-être des larmes de crocodile. Pas sûr. Et vous allez me dire, parce qu'elle est québécoise ou canadienne, elle n'a pas l'affaire à se mettre le nez là-dedans. Moi, je pense qu'elle respecte l'entité sociologique où elle travaille, puis que les gens... Puis il y a des gens de toutes les nationalités du monde qui la font vivre. Peut-être que derrière tout ça, il y a tout un montage pour stimuler ce spectacle pour 2 ans à venir. Là, vous mettez le doigt sur le bobo. Pourquoi elle a fait un don de 1 million pour avoir une entrevue exclusive avec Larry King? L'avez-vous entendu, l'entrevue ben avec oui, Larry King? Ben oui, puis là, tout d'un coup, elle fait sa crise et elle dit non, je ne veux pas parler du don que j'ai fait. Oui. Mais si tu n'avais pas fait ton don, tu n'aurais pas eu d'entrevue à Larry King pour mousser ce que tu avais à dire. Our country. Ben oui, vous ben qui oui. défendez les racines québécoises, our country, ça vous fait vibrer ce matin? C'est ça, c'est pour ça que je te demande, c'est là la double situation.
citoyenneté. Non, elle l'a pas parce qu'elle a fait un show médiatique avec ça. Elle paye des impôts là-bas. Elle a le droit au chapitre. Oui, bon. Oui, mais elle est embarquée dans la démagogie de Michael Moore un matin. Non, pour moi, ces deux-là se sont consultés. René Angélil l'a parlé à Michael. Je te dis pas, écoute, je n'appuie pas Michael Moore. Bon. Michael Moore, c'est elle a dit exactement ce que Moore a dit. C'est la marionnette du Parti démocrate qui a fait tous des build-up épouvantables. Ben oui. Donc, c'était très beau son film 9-1, mais il y avait bien des distorsions là-dedans. Oui, puis. Les montages te font dire ce que tu veux. Mais qu'est-ce que Céline Dion a dit de différent que Michael Moore n'a pas dit dans sa lettre? Elle est venue le dire en direct sans montage avec ses larmes. Alors, c'est de la démagogie. Il y a 1 200 000 soldats aux États-Unis. Il y en a 300 000 qui sont à l'extérieur. Les ressources étaient là. Si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a des imbéciles qui gouvernent ce pays-là. Les ressources ne sont pas là parce que. Non, parce qu'il y a tellement de misère financièrement parlant qu'il a baissé les impôts. Il n'y a plus d'argent pour les infrastructures. Mais les ressources militaires sont là quand même. Ben oui. Allez dire que les gens sont tous en Irak en train de se battre. C'est vrai. C'est pas vrai. Il n'y a même pas 200 000 soldats. Le gros de la flotte d'hélicoptères est en Irak. Puis, écoute, j'ai une surprise pour toi. J'ai lu l'autre que la Nanette Workman, qui est une Louisianaise d'origine, et elle communique toujours avec sa mère malgré la distance. On en parle dans le magazine cette semaine. Oui. Et évidemment, elle doit être très angoissée. Je ne sais pas de quel bord elle penche, cette chère Nanette. Je peux deviner à l'avance. Bonjour, Nanette. Bonjour, comment ça va? J'ai entendu un petit peu votre conversation. Vous êtes drôle, vous deux, là. C'est à se demander qui est le diable, si c'est l'avocat tordu ou si c'est vraiment le diable. Bon, il essaie de se faire du capital. Bien, d'abord, je vais vous dire quelque chose, là. Céline Dion n'a pas besoin de dépenser 1 million $ pour avoir une entrevue avec Larry King, ça, c'est sûr. Certain, elle peut en avoir n'importe quand elle veut. Ben oui, c'est des amis personnels. C'est une femme qui est extrêmement généreuse, d'abord. Et puis, elle a toujours montré ça, qu'elle est généreuse. Puis c'est une femme qui est extrêmement sensible. Puis quand quelque chose comme ça touche un monde, surtout les enfants, parce que moi aussi, c'est des enfants, pour moi, c'est de l'art. Et puis, quand quelque chose comme ça arrive, moi aussi, ça m'a fait même bon, c'est chez moi où je suis né, où j'étais élevé, ma mère est là, mon frère, ben, ils sont plus là, on est allé les chercher il y a un couple de jours. De quelle ville étiez-vous, Nanette? Pardon? De quelle ville étiez-vous? À Jackson. Jackson. Mississippi, la capitale du Mississippi. Oui. Et votre maman n'a pas été affectée, là. Il y a eu des gros coups de vent, mais quand même, elle n'a pas été affectée. Elle n'était pas affectée comme sur la côte, c'est sûr, mais elle était affectée quand même parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de glace, il n'y a pas d'air climatisé, parce qu'il fait 100 degrés quand même, là-bas, 35 degrés, là. Oui, oui, oui. Alors, quand il n'y a pas d'air climatisé, surtout les plus âgés, ils souffrent beaucoup. Alors, Nanette, pour vous, là, donc, Céline n'a pas été opportuniste, c'était pas organisé. Bon, de toute façon, mais voyons donc. Il faut dire à M. le maire. Mais voyons donc, mais c'est facile, de ça. C'est facile de faire un chèque quand on est multimillionnaire, puis de passer à la télévision, puis de faire un chèque, c'est facile. Ben oui, mais tu ferais la même chose. Oui, mais pas descendu sur le plancher des vaches. On a reproché la même chose à ces gros bonnets-là de ne pas être sur le plancher. C'est une question de facilité. Ben. Elle l'a faite parce qu'elle veut aider le plus possible. Et puis c'est la seule façon qu'elle peut aider, c'est avec un peu d'argent. Ben oui, puis ben oui. Puis 1 million, avec tout ce qui se passe en ce moment, ils vont en avoir besoin de multimillions avant que ça soit fini. Ben oui, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Pour M. le maire, c'est peut-être lui qui est le diable. Il faudrait peut-être dire aussi que Nanette, que Céline n'a pas besoin d'envoyer 1 million pour passer chez Larry King. J'ai des amis de longue date. Oui, mais disons que le timing est assez particulier. Ben oui, mais l'événement est là. Il manquait juste la photo avec le chèque. Puis elle vient d'où, cet argent-là? L'événement est là. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est alors, vrai. Merci beaucoup, Nanette. Ça nous a fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà une femme qui a une bonne pensée pour les sinistrés. Ce qui n'est pas ton cas, espèce de cynique et de dur que vous êtes. Comment dur? 7-0-0-8-7-4. On va aller à Sherbrooke. Oui, François. François qui est là. Bonjour, François. Oui, monsieur François. Voilà, monsieur bon, François. Premièrement, c'est dommage qu'est-ce qui arrive à la Nouvelle-Orléans. Ah, on est afin des gens de comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas, les conséquences. Oui. Mais moi, je suis tanné qu'à chaque fois qu'une bonne femme vient broyer à la télé, c'est automatique, elle est authentique. Oh mon Dieu, qu'elle est intelligente, elle est sensée, elle est à la bonne place. Céline Dion, elle a réussi le rêve américain, je suis bien content pour elle. Mais de là, là, en faire une référence, comme vous le faites ce matin, qu'elle a bien fait, qu'elle est dans ses droits, il ne faudrait pas charrier. Elle avait les moyens de donner 1 million. Ouais. La facilité qu'elle avait à le faire, tant mieux, ça l'a fait, je suis bien content pour eux autres. Ouais. Mais tu sais, il ne faudrait pas la mettre sur un plus haut piédestal qu'elle devrait être. Mais je tentais de nous dire... Ça du broyage de bonne femme comme ça. Elle a pris des ramassis très faciles à faire. N'importe qui aurait pu dire mot pour mot ce qu'elle a dit hier. Mais François... Ça avait du sens. C'était, François... Excusez-moi, c'était du pétage de brou.
Oui, mais François, ce que vous dites, ça apporte un bon point. Imagine, Gilles, pendant la tempête du verglas, quoi, c'était en 98, ça nous est tombé sur la tête, on aurait eu Michael Jackson venir critiquer l'action gouvernementale parce qu'il vend des disques au Québec. C'est la même chose. Attention. C'est la même attention. Chose. Michael Jackson non, n'était mais c'est pas... une star. Ben oui, mais Michael Jackson n'était pas dans les murs de Montréal ou d'une ville du Québec depuis deux ans à donner américain. Des spectacles. Trouve-moi un artiste américain oui, pour l'équivalent. Voulez-vous écouter? Michael Jackson n'était pas à Place des Arts depuis deux ou trois ans à tirer des milliers de personnes, à la différence. Oui, mais et quand lui dit qu'il ne faut pas être intelligent, est-ce qu'il veut dire que Céline Dion n'est pas intelligente? Non, c'est pas ça la question. C'est... Et qui est-ce qu'il est, lui, là, lui de Sherbrooke? Premièrement, elle est dans un pays étranger. Elle n'est pas citoyenne de ce pays-là. De quoi qu'elle se mêle? On aurait eu un artiste américain très aimé à Montréal venir nous faire la leçon au gouvernement, puis on aurait été insulté. Alors, insulté, vous auriez été le premier à dire « Toi, le gang-qui, retourne chez vous! » C'est ça que vous auriez dit. C'est un cataclysme à connotation internationale. Oui. Et puis? Jacques Chirac qui a offert ses bateaux depuis la Guadeloupe et la Guyane. Là. Mais le tsunami, c'était pire que ça. Si c'est un pays étranger, je ne me mets pas le nez là. Le tsunami, c'était pire que ça. Puis il n'y a aucun artiste, aucun dirigeant qui a critiqué les mesures d'urgence prises par ces pays-là à l'époque. On parle pas du Canada, là, on parle des pays. On avait affaire au tiers-monde, pas pareil. Ben oui. Le tiers-monde puis la Nouvelle-Orléans, c'est pas mal la même chose. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Puis c'est le tiers-monde, c'est du pauvre monde qui vit. Là, vous l'avez vu, la preuve. Ben oui, puis le Québec est le tiers-monde du Canada. Quant à ça, on était peuple, dénédon, on le sait. On a regardé les tiers-monde intellectuels. Ben oui. Alors, non. Et de là à dire, là, faut pas être tellement intelligente, hein, franchement. Là. En tout cas, je trouve que François avait un bon point. On n'a pas à se faire dicter ce qu'on fait. Oui. On va prendre Miguel qui est là, qui est de Brossard. Bonjour, M. Miguel. Allô, ça va bien? Oui. Oui, parfait. Si on parle d'opportuniste, premièrement, c'est quelqu'un qui est bien... qui a pris ça facilement, l'opportuniste. On parle du petit monsieur qui se trouve à votre gauche. Ben oui, je l'attendais, celle-là, c'est bon. T'es sûr que tu t'en attendais parce que ça allait venir d'un jour ou l'autre. Deuxièmement, moi, je suis content. Mais ça, c'est pas de l'opportuniste, c'est de la jalousie. Laissez-le terminer. Vous n'êtes pas à la radio, là. Oui, excuse-moi, Miguel. Deuxièmement, je suis bien content qu'il y ait quelqu'un qui a du poids et qui peut être entendu se lève. Je trouve que c'est pas un cartel ou quoi que ce soit. Quelqu'un fait ça. C'est juste du bon sens. Oui. Il y a quelqu'un qui est capable de, comme n'importe qui de la société qui voit ça, qui a de la peine, s'il pouvait le faire, il le ferait. Ça oui, mais Miguel, quel poids Céline Dion a là, sur la politique américaine? Ça n'a pas été repris nulle part aux États-Unis, à part dans le journal. Quel quotidien américain en a parlé? Les journaux du dimanche en ont parlé hier. Ça oui, parce qu'il n'y avait rien des nouvelles. Alors imaginez-vous si le maire de Huntington faisait une déclaration. Il serait frustré parce qu'il n'a pas eu une connotation internationale. Qui est-il, lui? Mélangez pas les gens en parlant de la mairie. Là, ça n'a rien à voir avec le sujet ce matin. Non, mais vous dites qu'elle n'a pas d'affaires. Puis si elle n'était pas populaire, elle ne l'aurait pas faite. J'ai pas d'affaires à commenter ce qui se passe, par exemple, à Châteauguay, New York, l'autre côté de la frontière. Ça ne me regarde pas. Présentement, en train de commenter ce qui s'est passé avec Céline Dion. Qui êtes-vous pour le faire? Hein, parce que moi, je suis payé pour faire ça, imaginez-vous donc. Et voilà. Alors, mais elle n'est pas payée pour dire au président américain ou au maire de la Nouvelle-Orléans comment diriger leurs choses. C'est encore mieux si elle n'est pas payée pour le faire. Ouais. Ben, c'est ça. Elle a besoin d'un gérant pour s'occuper de sa carrière. C'est ça la différence. Bon. Je peux pas. Parfait. Facile, hein? Alors, voyez, c'est un avocat. Un avocat, ça a un esprit tordu, mesdames, messieurs. Un avocat, ça vous dit... Menteur comme un avocat. Avant, on disait menteur comme un dentiste. Maintenant, les instruments sont tellement améliorés. C'est vrai ce que vous dites. Le dentiste disait toujours ça te fera pas mal que ça faisait mal. Ben oui. Mais avec les nouveaux instruments, ça fait plus mal. Oui. Tu es obligé de dire menteur comme un avocat. C'est correct. Je suis d'accord avec ça, moi. Bon, au moins, elle vient d'admettre qu'elle est d'accord avec vous. Oui. On va à la pause. Nous vous revenons dans quelques instants. Jugez-vous que Céline n'avait pas d'affaire à se mettre le nez dans la vie intérieure des États-Unis? J'ai décidé de confier mon avenir à CDI. C'est ce qui m'a valu ma passionnante carrière en administration. Il y a 12 mois, j'étais sans formation et sans emploi. Aujourd'hui, je suis professionnelle et fière de l'être. Le Collège CDI peut faire de vous la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Si votre but est de vous retrouver sur le marché du travail au plus vite, le Collège CDI est la solution. Pour une carrière en administration, 1-866-426-9208. Cette année, Québec à cheval célèbre son 25e anniversaire d'existence
Et cet événement a été souligné lors de l'édition 2005 du Week-end du randonneur qui s'est tenu au domaine Magaline dans la région de Mirabel. Des randonnées, encadrées par des guides de la région, ont fait découvrir aux participants durant tout le week-end les beautés d'un des beaux territoires équestres du Québec. Un week-end qui a été rempli de plaisir. Lundi à Flash, en direct de la Mostra de Venise, Patrick Marcellet avec l'équipe du film Crazy. Patrick Masbourian parachuté au lancement du parfum pour homme de Paris Hilton. Et on vous emmène sur le plateau de tournage du tout nouveau vidéoclip de Céline Dion. Flash à 18h30. Ce lundi, des métamorphoses pour Brad Pitt, Meg Ryan, David Bowie, Paula Abdul et John Travolta. Tous leurs secrets dévoilés. Le décompte se poursuit. 101 métamorphoses de stars. Lundi, 19h à TQS. Mr. Chubik! Mr. Chubik! C'est nouveau! Comme caramelleux. Oh, ça fond dans ma bouche. Go, 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 go
Ce qu'elle a fait, elle l'a fait avec son cœur. Elle a les moyens de le faire, mais elle ne l'a sûrement pas fait pour avoir une entrevue avec Larry King. Comme Nanette Warman l'a dit, elle n'a pas besoin de donner 1 million pour avoir une entrevue avec Larry King. Vous avez raison. C'est une Nord-Américaine, c'est une Canadienne née au Québec. Ah oui, mais en tout cas, dans son entrevue à Larry King, Lise, elle parlait « our country ». Elle parlait pas du tout, là. Elle parlait pas du tout en tant que Canadienne ou Québécoise. Mais ça peut bien faire. Non, mais qu'importe. Ah ben oui, mais quand ça fait son affaire être américaine, quand ça fait son affaire être canadienne... Son identité, tout le monde la connaît. Tout le monde donc, sait vous, au fond, au Lise, Québec, au Canada. Lise, vous voyez Céline Dion comme la Sainte Vierge. C'est une icône. Non, s'est mis à, l'icône s'est mise à pleurer hier dans Céline la cathédrale. Dion comme la Sainte Vierge, je la vois comme une personne. C'est une personne qui est très bonne. C'est une personne qui a vraiment un cœur. Mais vous, j'ai l'impression que vous n'en avez pas du tout. Ben non, j'en ai pas de cœur. J'en veux pas non plus. Ça non, sert à quoi? Que... Non, trop de trouble. Mais madame, bien pire que ça, parfois, il n'y a pas de tête. Mais madame... Oui. Ça m'arrive mais... d'être comme Gilles, des fois. Elle est... Il dit, c'est épouvantable d'utiliser « our country ». Il est le même gars qui défend ses 3-4 têtes carrées qui anglicisent le Québec. Regardez, les poches sont répondeurs en anglais. Alors, il va dire « our blokes ». C'est quoi le pourcentage de la population anglophone chez nous? Vous le savez même pas. Bon, c'est pas majoritaire. Bien, proche, on est 45 %. Oh! Putain, bon, ça plaventerie! Il y a 25 % de francophones au Canada, vous gueulez tout le temps que la langue française est en péril. Elle est certain, avec des innocents comme toi. Comment elle est certain? Allez, on est 82 % au Québec, puis on parle d'appliquer le droit. J'allais être mort, puis on va parler français encore. Non, non, non. D'abord, il n'y a personne qui parle français au Québec, premièrement. Oui, on parle. Il n'y a quoi, pas 3 % des Québécois qui parlent français. Ils parlent le joual, c'est pas pareil. Et que tu encourages. C'est votre culture. Que vous encouragez. Pas la mienne. Que moi, vous encouragez. J'ai été élevé là-dedans, c'est pas de ma faute. Oui, c'est beau, hein. C'est édifiant. C'est votre génération. C'est votre génération. Diplômé d'une faculté de droit, mesdames et messieurs. Oui, de droit. D'une institution de haut savoir. Ben, non, hein? Quelle université, à part McGill, là, aujourd'hui, là, est une institution de haut savoir? Il crache à l'université. C'est le Harvard du Canada. Vous le savez. L'Université de Montréal a gagné 10 fois le prix du gouverneur général. Oui, bien. J'allais pas dire que c'est une université dans de poubelle. Dans toutes les universités, il y a ces prix-là. Ça ne porte ben rien oui. plus. Non, non, mais pourquoi vanter général... rien que McGill? Ça, c'est comme les Anglais qui vantent rien que Victoria ou les Québécois colonisés, rien que l'hôpital Victoria. Il faut que tu ailles là pour voir les cadres encrassés. Parce qu'on va remercier Louise pour sa belle intervention. Merci, Lise. Je n'ai pas de cœur. Lise de Valleyfield. Bravo, raison. Lise. Alors, et on va te faire entendre l'extrait. Peut-être que ça va t'apporter des larmes de crocodile. On va l'écouter, Céline, si vous voulez bien, dans quelques instants. Alors là, pour le moment, on a Diane Séguin. Bonjour, Diane. Oui, bonjour. Bonjour, Diane. Au niveau de Mme Dion, je trouve que c'est une goutte d'eau dans un océan parce qu'elle est beaucoup plus riche, elle fait beaucoup d'argent. Son mari, s'il jouait moins, il aurait pu envoyer beaucoup plus d'argent que ça. Écoute-moi cette aplaventerie colonisée. Je ne commente pas. De jalouse, dès que quelqu'un réussit, il faut écraser et dire que c'est pas bon. Non, non, ça, non. C'est le Québec. C'est vraiment le petit Québec, madame. Le vrai petit Québec. Laissez-moi finir, là. Ouais. Oui, moi, je laisse finir. On n'est pas en radio, là, ici. Là. J'espère que son prochain disque va... Tout l'argent qu'elle va faire avec va aller pour la Louisiane. Elle en a grandement les besoins. Grandement la capacité. Alors que nous, on n'en a pas. Ouais. Vous, madame, il y aurait quelqu'un qui aurait de la misère au bord de la rue. Vous direz, moi, je m'en mêle pas, c'est pas de mes affaires. Ça, pas c'est du tout. Petite mentalité infirmière de bénévole. Je suis infirmière bénévole depuis 1985, mon cher monsieur. Oui. Et? Infirmière bénévole. Oui. Ah oui, j'ai pas de leçon de bénévolat. Oui, mais regardez, elle a fait du bénévolat depuis des années, mais puis? Du haut de sa tour d'ivoire, Céline, c'est facile de tirer puis d'imprimer des chèques. Elle pourrait imprimer de l'argent. C'est facile de passer pour la fille qui alors? Pleure puis qui est généreuse. Mais cette femme-là a fait combien d'années de bénévolat dans l'ombre? Qu'on y crache dessus un matin. La morale de son histoire, mesdames, messieurs, toute personne qui réussit dans la vie à monter au sommet, parce que les États-Unis, malheureusement, ce sont les sommets, pour bien la dire. Les sommets artificiels, oui. Ouais. Ce sont les sommets. Hey, quand tu vas à Katmandou, pour Chili, puis t'entends des disques de Céline Dion, une petite donc, fille c'est de correct, ça. Dans sa fonction d'artiste, c'est correct, ça. Mais qui elle est, elle, le pour malheur, critiquer? Le malheur, mesdames, messieurs... On l'a pas entendu critiquer le pape. Le malheur, mesdames, messieurs... Pensez pas que c'est pas un autre bel idiot et critiquer quoi? Le pape. Le nouveau pape, Benoît XVI, retardé au dernier degré, aurait pu le critiquer comparativement à Jean-Paul II? Alors, ça s'en vient une émission d'arriéré mental. Mesdames, messieurs, le malheur dans notre société québécoise, où on aime beaucoup le petit Québec, ma petite blonde, ma petite rue, mon petit café, ma petite job, ma petite paye, c'est ça, ici. Le malheur, oui. C'est que dès qu'on atteint des sommets, il faut écraser cette personne-là. Aux États-Unis, j'ai tous les disques de Céline Dion. Quand tu atteins un sommet aux États-Unis... J'ai tous les disques de Céline Dion chez moi, oui. Et je les écoute, et je suis très heureux. C'est une artiste, une interprète hors pair. Bon, voilà. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, madame, vous êtes bousculée. Non, d'accord, là, mais si vous achetez du Sinutab, là, au Nouveau-Brunswick, là, vous n'êtes pas remboursé. Alors, la langue française est bafouée.
Alors, le New Brunswick nous a viré de dos à la crèche. Puis l'Hydro-Québec... Bon, OK. On va laisser faire le New Brunswick puis le Nouveau Brunswick. Madame, merci beaucoup. Ça nous a fait énormément plaisir. Éric de Montréal. Oui, Éric. Oui, M. Éric. Bon, voilà une bonne opinion de la part d'Éric. Parle-moi de ça. Oui. Moi, on pose un petit silence et d'or. Alors, on va écouter justement pour rappeler à l'auditoire oui. et ceux qui, par hasard, auraient manqué, mais le monde entier a vu. Sortez ça. Vos Kleenex. Allons-y. There's kids being raped at night. We hear gunshots. Big guns. What's that? Those people are praying. They're walking. They're like this. Hello? Do you see us? We're still alive. But we're dying. Oui. C'est bon, c'est bon. Oh oui, c'est bref et intense. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Tout le monde le sait, mais le problème... Non, elle a fait un lien avec la guerre en Irak, et ça, c'est vicieux. Cette fille-là vient de prouver à tout le monde qu'elle ne connaît rien en politique internationale. Elle devrait se fermer à boîte, ça prestille. Il n'y a aucun lien. C'est l'incompétence même des gestionnaires de la crise qu'il faudrait remettre en cause. Puis le premier, c'est le maire de la Nouvelle-Orléans qui essaie de passer pour une super vedette. C'est un puissant message qu'elle a passé là. Elle ne connaît rien en Irak. Elle a dit on a déployé tous les 3 milliards par semaine pour aller tuer des gens généreusement en Irak. C'est vrai, il y a déjà 30 000 morts en Irak. Alors ici, qu'on tire et qu'il ne se passe rien au niveau des services de sécurité, elle n'a pas le droit de dire ça? Oui, mais faire une comparaison avec l'Irak? Oui, mais il n'y a aucun lien entre les deux, parce qu'il y avait 800 000 soldats aux États-Unis qui étaient prêts à intervenir. Arrête. Le président des Américains, c'est Jean Charest, que je voulais vous dire. Milice mal entraîné. Jean Charest, il est encore sur la tente origine, lui. Oui, oui. Richard, bonjour. Oui, bonjour. Alors? Au départ, je pense qu'elle a plusieurs résidences quand même aux États-Unis. Également, de quelle citoyenneté est son fils? Ah, c'est une bonne question, ça. Elle a la citoyenneté, monsieur, américaine. Êtes-vous sûr, par exemple? Citoyenneté américaine et canadienne. Bon, peut-être. Et puis, si elle ne peut pas dire ce que c'est qu'elle, publiquement, ce que c'est qu'elle pense, combien de fois les États-Unis nous ont dit publiquement ce qu'ils pensaient de certains pays? Oui, puis on a toujours trouvé ça dégueulasse quand les Américains nous disaient à la veille du référendum, oh, on a des craintes, est-ce que vous allez survivre? Vous n'avez pas de vos maudites affaires, mais allez-vous donc de ce qui vous regarde. Hein? C'est pas possible. Gilles Proulx était le premier à le dire, mais allez-vous donc de vos affaires, on est capable de s'auto-gouverner nous autres. C'est Jean-Chrétien qui a téléphoné à... Puis, trouvez-vous pas ça dégueulasse? Incroyable. Non, mais trouvez-vous ça dégueulasse? Il vient défendre le oui disant après. C'est pas possible. Mais moi, je pense que vous, monsieur le maire, vous avez fait quelque chose qui était normal. Vous êtes rendu sur la place publique pour défendre vos citoyens. L'intérêt de la ville. Je pense que peu importe l'humain qu'il y a sur cette terre, que s'il y a quelque chose qui est inacceptable, peu importe de quel niveau cette personne-là se situe, elle doit le faire publiquement si elle est capable de le faire. Et félicitations à Céline Dion, peu importe qui ça aurait été. Félicitations. Bravo, merci beaucoup. Merci, au revoir. Si on allait chez Christiane de Brossard cette fois. Bonjour, Christiane. Oui, Christiane. Bonjour, ça va bien? Oui. Ah, incroyable. Allô? Oui, on vous écoute. OK. Moi, là, je me dis que Céline Dion, là, elle n'a pas d'affaires à se mêler de ça. C'est une Québécoise, c'est une Canadienne. Pourquoi qu'elle n'est pas venue contre les Américains quand ils nous ont bloqué le bœuf et qu'ils ont mis bien du monde dans la merde? Ou le bois d'œuvre, 5 milliards de pertes pour l'industrie du bois d'œuvre avec toutes les pertes d'emplois. Là, on pourrait en parler de la Côte-Nord. Pourquoi qu'elle n'est pas venue défendre les Québécois? Ouais. Alors, dans ce cas-là, on pourrait dire, ma chère Madame de Brossard, vous n'avez pas d'affaires à appeler ici. Vous partez de Brossard pour nous appeler et vous dire des sottises. Hein? Vous prenez la liberté d'appeler par ses bonnes droits. Ce que je dis, c'est que Céline Dion, là, ceux qui l'ont rendue populaire, c'est les Québécois à partir de zéro. Ah, c'est pas c'est vrai. C'est vrai, quand t'as chanté pour le pape au Stade olympique, avec les dents croches, là, tout le monde pleurait. Ben oui. Hein? Puis là, elle parle de hard country. Ça me surprend que vous preniez une position de même. Ça me déboussole. Vraiment, je vous suis pas. Il y a un départ à toute carrière. Vous qui êtes enraciné dans le sol québécois, puis là, vous la voyez dire hard country, puis ça vous fait vibrer. Ben oui. Vous êtes le premier à cracher ces Yankees. Non, j'aime les Américains. On va ressortir les tapes. Pas les Américains. On va ressortir les cassettes. Ben, voyons donc. Peut-être pas les Américains. C'est un des grands peuples de la Terre, avec ses bêtises et ses grandes qualités. Là, vous avez donné combien à Croix-Rouge canadienne? 101 fois. Non, je parle pour le Nouvelle-Orléans. 101 fois. J'ai donné 101 fois de mon sang parce que je sais qu'il va se rendre à la personne qui en a besoin. Et vous avez donné combien zéro, à la Croix-Rouge? Rien. Bon, ben alors. Ben, je m'en cache pas. Ben oui. Alors, quand ils disent que de quoi est-ce qu'elle se mêle la libre des affaires d'un autre pays, de quoi est-ce que se mêlent ces idiots qui ne vous jouent pas de vous? D'appeler ici pour nous dire ça. Je peux dire ça. Ils ont le droit d'appeler. Mais oui, ils mais disent Christine, que vous êtes un idiot. Elle a le droit à son opinion. Là, c'est parce que pour moi, c'est une idiote. Elle peut dire que vous êtes un génie aussi. Daniel Le, bonjour. C'est permis de dire que c'est un génie, mesdames, messieurs. Ça dépend de comment vous évaluez. Bonjour. Oui, Daniel Le. Oui, bonjour. Moi, je trouve ça vraiment déplorable que soyez là, que les gens soient là aujourd'hui pour critiquer ce que Céline a dit.
c'est quoi le principal? Tout ce qui se passe en Louisiane, puis dans les autres pays aussi, c'est une catastrophe qui arrive, c'est naturel. Et puis ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, c'est quoi l'important? C'est que les gens soient aidés là-bas. Puis là, les gens sont là à critiquer ce qu'elle a dit ou ce qu'elle n'a pas dit. Fait que moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Oui. Mais dans un sens, Daniel a raison, parce qu'au fond, là, la sortie de Céline Dion, là, ça apporte rien de plus au débat. Tout le monde a de l'air fou là-bas parce que, justement, ils n'ont pas été capables de faire face à la crise. T'sais. Quand une personnalité internationale, madame, comme Céline Dion, décide de dire « Hey, grouillez-vous, je suis peut-être pas américaine, même si elle se dit, là, c'est pas possible de vous voir comment j'avais deux pieds dans la même bottine. » En tout cas, disons que ça a une connotation à travers le monde. Ben, et non, ça devrait normalement, dans les officines, les politiciens à gueule de bois, de dire « Hey, il va falloir qu'on se grouille de derrière, qu'on fasse quelque chose. Ben, sortons nos zodiacs, sortons nos hélicoptères privés si on n'a pas des militaires. » C'est un peu alors, on n'a pas besoin bravo, de Céline. Madame. On n'a pas besoin de Céline. Merci. Oui. Merci. Alors, nous allons aller à la pause. Des vacances de rêve, ça vous intéresse? Alors préparez vos valises. Pour fêter ses 25 ans, Vacances Air Canada s'associe à TQS et cherche 8 couples prêts à partir pour le Sud. Pour faire votre valise, notez l'indice de la semaine et inscrivez-vous au tqs.ca. À chaque semaine, vous devrez ajouter un indice à votre valise. Heureusement, l'équipe de Caféine vous dépannera tous les lundis matins. Pour le moment, ouvrez votre valise et notez l'indice que voici. Qui sait, vous pourriez fêter les 25 ans de Vacances Air Canada au soleil. Allez, vivez le rêve! Bulletin spécial du magazine La Semaine. Stéphane de Normétal se vide le cœur. Des révélations choc. Aussi, votre télésemaine avec 800 photos. Bonne semaine. La Semaine, le grand magazine indépendant. Tiens, tiens. T'es allé magasiner? Regarde, c'est vraiment génial. Et mignon. Ouh, t'as pris ça? C'est le dernier cri. Je peux voir? Oh, juste une seconde, je vais te la redonner. Wow! Hey, ça s'étire vraiment! En plus, ça me va à merveille. Pour une protection imbattable contre les fuites, c'est la nouvelle taille extensible Gig Elastique. Seulement sur les couches à guise. T'as juste à t'en trouver une. Je m'en vais tellement magasiner. Une nouvelle vague d'émotions va déferler sur le coup. C'est un de mes rêves de montrer mon fils à mon père. Des souhaits réalisés et des bonnes actions vont créer une grande chaîne. Je veux répandre du bonheur à la grandeur du Québec. Des émotions à l'état pur. Aïe, aïe. Je fais pour mes enfants. Des histoires qui vous arracheront une larme ou un sourire. Avec Chantal Lacroix, excès de bonheur. Donné au suivant dès le 6 octobre. T'as le goût de moi? Ça m'arrive. Penses-tu à moi, là? Je pense à Nicorette pour m'aider à arrêter de fumer. Nicorette? Mais moi... Quoi? C'est fini. Mets pas ça dans ta bouche. C'est dégoûtant. Non, j'aime le goût de la Nicorette mangivrée. Tu l'aimes? Je l'aime. Je l'aime. Votre envie de fumer n'est pas belle à voir? Pensez à Nicorette mangivrée délicieusement enrobée. Jean, j'ai pas fini. Nicorette, pour aider à écraser votre envie de fumer. Ouais, hein? Les annonces de fromage, le show à télé, le gros condo, ça roule tes affaires? Ben, je roule pas sur l'an ces temps-ci. Avec le condo, le char... Tout ça, c'est de la faute à Maurice. Je me demande où c'est qui est parti. Je pense qu'on devrait se partir un groupe d'humour. On appellerait ça les Funny Guys! Mais là, il y a Odéon. Je vais proposer à Caro d'aller vivre avec elle. T'es malade? Méchant mix, trois fois rien, ce mercredi, 20h30. One poached swordfish. No problem. Now I understand. 254-6011. Congratulations on your promotion. Now I understand. 254-6011. 254-6011. Now I understand. 254-6011. 254-6011. Des milliers de gens ont appris l'anglais grâce à l'Institut linguistique. Ils ont tous appelé au 254-6011. 254-6011. Now I understand. Bulletin spécial du magazine La Semaine. Stéphane de Normétal se vide le cœur. Des révélations choc. Aussi, votre télésemaine avec 800 photos. Bonne semaine. La Semaine, le grand magazine indépendant.
Un sujet émotif, il y en a un, mesdames, messieurs. Alors, regardez-moi cette pile de courriels. Il y en a autant. Évidemment, ça explose. Nos lignes vont éclater. Et puis, bien, c'est partagé, il va s'en dire. Il y a ici Carole Tremblay de Montréal. Comment peut-on, comme Christiane de Brossard, comparer de la petite viande de bœuf avec des gens qui meurent en Louisiane? Oui, ici, bonjour. En ce qui concerne Céline, moins je la vois, mieux je me porte, mais j'aime l'entendre chanter. Ah bon, alors un peu l'entendre chanter à la noirceur, elle ne verra pas. Bravo à notre Céline, elle a dit tout haut ce que tout le monde pensait. Francine Lemay de Saint-Hubert. Il faut rajouter José Tremblay, si je suis tout à fait d'accord avec Gilles Proulx. Il est intelligent. Votre adversaire est un idiot. Vous êtes en train d'inventer un courriel. Pour ça qu'on l'embauche, mesdames et messieurs. Même pas ça qui est marqué sur le papier. Ça se peut pas. Hey, Céline a donné aussi... C'est un acteur, ce gars-là. Non, mais ici, là, ça, c'est écrit pour le vrai. Daniel Auclair. Céline a aussi donné 1 million en Indonésie. Et même dans les télétons du Québec, elle a été très généreuse. Mais, oui, mais c'est drôle, dans le tsunami, on l'a pas vu pleurer. Elle n'a pas sorti sa boîte de Kleenex. Ah ouais, t'as pas ben oui, il y avait... As-tu pleuré, toi, pour le tsunami? Non, toi, pour moi, j'ai pas pleuré. Bon. Monsieur Ruby, qui est là, de Sainte-Mélanie, bonjour. Oui, monsieur. Oui. Je voudrais dire que, premièrement, René Delay, il n'est pas le gérante de Céline Dion du tout. Merci beaucoup. Troisièmement... Là, vous en avez sauté un, là, vous êtes à deux, là. Vous êtes rendu à deux. Ouais, mais c'est parce que le deuxième va vous surprendre. Il se dit pas en public, quoi? Ça se dit pas. Premièrement... J'ai bien aimé le spectacle de ces noms pour avoir d'autres argent, parce qu'il n'y a plus d'avion pour aller partir de Québec, aller à Las Vegas voir le show. Ben, arrêtez de fumer, vous allez avoir de l'argent. Ah, ben, j'aime ça fumer, moi. Ben, il faut faire des choix dans la vie. Hein? Oui, puis je félicite que ce que vous faites en Dington, monsieur. Merci. C'est très, très bien. Merci. Mais oui. Seulement que quand on met ça comme Céline Dion, ça a arrêté à Maroc, là. Savez-vous ce qui est arrivé à elle? Elle a été en prison. Elle a été battue. Parce qu'à Maroc, il n'aurait pas toléré ça 2 secondes. Aux États-Unis, soit qu'ils risent d'elle, ou qu'ils vont l'envoyer en dehors pour 5 ans. Une très bonne analyse. Oui, c'est oui, intéressant. On va mettre ça dans les archives, oui, monsieur. C'est très bien. Félicitations. Ça devait être au Maroc. Ça se peut-tu? Qu'est-ce que tu peux pas dire? Patrick Duprat, salut, messieurs. Félicitations. Vous êtes super, tous les deux. Ah! Bon. À part les gars, c'est bien, hein? Et le prochain album de Céline prévoira sûrement une partie des profits pour la Nouvelle-Orléans. Une belle opération de mise en marché. Puis là, quand ils vont rouvrir la ville, elle va être là pour couper le ruban, puis avec la pelle. Puis ça, ça ne demande pas d'effort, se couper des rubans puis faire des déclarations. Mais vas-y sur le chantier, par exemple. Vas-y. Oui. Comment ça se fait que Céline n'a pas analysé son hélicoptère privé, parce qu'elle doit en avoir un, puis elle n'est pas allée survoler, puis elle n'est pas allée dans l'eau, se mettre les pieds dans l'eau? Elle chante à tous les soirs. Puis, une catastrophe naturelle comme ça, ça justifie un temps d'arrêt? Ah oui. Le président américain a arrêté ses vacances, Céline ne peut pas? Oui, ça lui a pris du temps. Il va être chaud au sol aujourd'hui. Ben oui. Il est allé, il s'est promené au tube, il a regardé ça avec des jumelles. On va passer une belle année avec vous. Bravo, avocat et le diable, monsieur, je ne sais pas qui, Louis. Ensuite de ça, Jessica, si on écoutait Jessica. Allons au public cette fois. Oui, Jessica. Oui, bonjour. Oui. Moi, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Je vais faire bref parce que vous commentez beaucoup. Alors, je vais pouvoir dire tous mes mots. Je suis d'accord sur le sens maman et sentiment avec l'argent. Moi, avoir de l'argent, je le ferais. Publiquement, je le ferais. C'est sûr que les disponibilités de certaines personnes, peut-être que pour aller aider les gens autour du monde, ben, pour tout le monde, c'est peut-être pas. Avec de l'argent, peut-être. Mais de l'autre côté, que oui, qu'elle s'approprie que les États-Unis, ce soit comme son pays, je suis pas d'accord parce qu'elle est québécoise. Tu sais, je suis pas mal déçue à part ça, tu sais. Fait que c'est ça mon commentaire. Mais madame, OK, c'est vrai, c'est peut-être un impair même pour nous autres qui voyons ça d'ici, là. Dans le contexte, ça peut paraître en tout cas comme très engagé auprès de la société américaine. Elle n'a jamais renié ses racines québécoises, Céline Dion, ce que je sache. Oui, mais Gilles, regardez les grands mécènes. Alors que vous les reniez à tous les jours avec votre répondeur en anglais. Comment mon répondeur en anglais? J'ai pas besoin de la loi 101, Christy, pour me faire parler sans la français. Vous reniez vos racines. Ben non, vous avez besoin des béquilles pour vous protéger. J'ai pas besoin de béquilles. Moi, je peux parler anglais, français. Mais la question est la suivante. C'est un bon point. C'est un bon point que Jessica amène. Les grands mécènes, là, ceux qui ont donné, hein, parce que c'est une tradition britannique, le mécénat, souvent, on voit don anonyme. Ces gens-là veulent pas se péter les bretelles avec leur maudit argent comme elle l'a fait. Ça vous lève pas le cœur, ça? Ça vous lève pas le cœur? Quand tu t'appelles Céline Dion puis tu poses un jeu... Tu as le droit de te mêler de tout ce qui te regarde pas. Non. C'est un devoir civique d'une personnalité connue pour créer un effet d'entraînement en faveur de l'aide. Mais pourquoi elle ne le fait pas dans tous les cas et elle choisit? Ah, il faudrait toujours qu'elle soit parce que politiquement... sa barricade à chaque fois qu'il va y avoir un tonnerre qui va éclater quelque part. Ben oui, mais politiquement, c'est rentable pour elle. Écoute.
aux États-Unis. C'est la plus grosse catastrophe que les Américains ont connue. Ben c'est oui. l'équivalent de 3 bombes atomiques. À peu près. Bon. Alors, tu te fermes la gueule parce que tu t'appelles Céline Dion, tu as passé pour si le, tu veux vraiment aider, tu fais ton chèque, puis tu vas là-bas, puis tu vas sur le terrain aider comme les bénévoles de la Croix-Rouge canadienne qui sont partis là-bas. Eux autres, ils ont du cœur au ventre. Alors, ça, elle avait fait ça avec son chèque, puis aller donner, puis couper le ruban, puis elle s'est fait photographier nécessairement. Non, non, aller sur le terrain, aller les ramasser, les cadavres, si elle veut vraiment aider comme nos bénévoles qui sont partis. On n'en parle pas de ça. On va la convertir en brancardière, si j'écoute monsieur maintenant. Ben, pourquoi pas? On va à la pause, puisque la risée est rendue trop démente. Mesdames, Messieurs, cet avocat. Tiens, tiens, t'es allé magasiner? Regarde, c'est vraiment génial et mignon. Ouh, t'as pris ça? C'est le dernier cri. Je peux voir? Ah, juste une seconde, je vais te la redonner. Wow, hey, ça s'étire vraiment! En plus, ça me va à merveille. Pour une protection imbattable contre les fuites, voici la nouvelle taille extensible Gig Elastique. Seulement sur les couches à guise. T'as juste à t'en trouver une. Je m'en vais tellement magasiner. De pauvres petites, nous? Non, nous sommes des êtres exotiques, tout comme l'orchidée. C'est pourquoi Kotex utilise cette fleur sur son tout nouvel emballage. Exotique à l'extérieur, même serviette ultra mince efficace à l'intérieur. Kotex vous va, un point c'est tout. Corporatif Renault Automobile attaque le marché montréalais avec l'ouverture d'une troisième succursale. Ce nouveau commerce du boulevard métropolitain possède un parc automobile d'une superficie de 10 000 pieds carrés, dont une partie est située à l'intérieur de l'édifice pour le confort des consommateurs. Corporatif Renault Automobile est une entreprise familiale en affaires depuis 19 ans. TQS souhaite à toute l'équipe de Corporatif Renault plusieurs autres belles années. Sortez de la zone grise, parce que tout n'est pas noir et blanc. TQS innove et repousse les frontières. Pour vous faire une idée claire, pour vous forger une opinion, écoutez leurs arguments. Ils changent les perspectives. Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? On en discute, on en débat avec Isabelle Maréchal, Martin Robert et leurs collaborateurs. Des arguments en pleine gueule. Le grand journal de 22h, en semaine à TQS. Chaque année, moi et mes chums, on s'en va quelque part. Puis, préparer tout ça, c'est pas évident. Si tout n'est pas leur goût, ils gêneront pas. Les gars! C'est pas si pire que ça! Cette année, c'est moi qui ai tout organisé. Avec Expedia.ca, j'ai pu voir toutes les options pour notre voyage à Miami. Hôtel est proche de tout, il y a un bar sur le bord de la piscine, puis j'ai même réservé une excursion dans les Everglades. Ça va être génial. Tu m'as mis dans la même chambre que Savard! Expedia.ca. Vol, hôtel, voiture de location, forfait. Votre voyage à votre goût. Le monde de Monsieur Ripley, c'est surprenant, incroyable, loufoque, insolite, spectaculaire et même beaucoup plus. Mardi 19h30 et mercredi 19h. À TQS, le monde est viré sur le top. One poach swordfish. No problem. Now I understand. 2546011. Congratulations on your promotion. Now I understand. 2546011. 254-6011. Now I understand. 254-6011-254-6011. Des milliers de gens ont appris l'anglais grâce à l'Institut linguistique. Ils ont tous appelé au 254-6011. 254-6011. Now I understand. À rire et délire. Vous allez voir que c'est pas parce qu'on a une corde entre les mains que faire le Tarzan est un jeu d'enfant. Rire et délire. Complètement tordant. Ce mardi, 19h à TQS. Lundi à Flash, en direct de la Mostra de Venise, Patrick Marcellet avec l'équipe du film Crazy. Patrick Masbourian parachuté au lancement du parfum pour homme de Paris Hilton. Et on vous emmène sur le plateau de tournage du tout nouveau vidéoclip de Céline Dion. Flash à 18h30. Alors, mesdames, messieurs, c'est incroyable. Regardez-moi cette pile. Elle ne cesse de s'épaissir. Est-ce que c'est parce que épaissir c'est... Épaissir dans quel sens? L'émission est faite par des épais. C'est ça. Enfin, une de trop.
Ah non, enfin, une des trop rares artistes qui osent prendre position au Québec, les artistes n'osent plus se prononcer de peur de nuire à leur carrière. Non, les artistes sont tous des séparatistes, ils se présentent toujours pour la séparation. Ben, Céline Dion est une ambassadrice du Québec et du Canada dans un pays étranger. En ce sens, il est de son devoir de se fermer la gueule. Et c'est pas inventé, c'est vraiment vrai. Oui. Puis l'ambassadeur américain qui se met le nez dans nos affaires ici à Ottawa. C'est un imbécile. Ben oui, mais lui est envoyé par Dieu. David Wilkins, c'est Dieu qui l'a envoyé ici. On a deux intervenants rapides pour terminer. Daniel, bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Oui. Peu importe la situation sociale ou le langage que tu penses, si tu as quelque chose à dire par rapport à quelque chose qui se passe, bien, tant mieux, dis-le. Dis-le fortement si tu as le courage de le faire, parce que tout le monde a besoin de ça. Ce qui est pour la langue française, là. Ben justement, si tu veux parler en anglais ou en français, tu le fais dans la langue que tu veux. Oui, ça et vous parlez tellement bien avec vous, justement. Un meilleur français, français. C'est très bien, très bien. On a eu une très bonne leçon, vive le tutoiement, effronté. Frédéric, bonjour. Bonjour. On termine avec Frédéric. Oui, bonjour. Frédéric. Le message, c'est pour M. Gendron. Oui. Céline Dion, c'est surtout avec son argent, je pense, qu'elle peut aider, et non avec ses bras. Fait que je crois que ça, c'est bien, bien ce qu'elle a dit. Et puis, c'est pour inviter peut-être d'autres artistes ou d'autres gens richissimes à faire le même geste. Et puis, on chiale jamais contre Bono quand il s'impose. Oui, oui, voilà. Félicitations. Le grand chum à Paul Martin. Ouais. C'est un groupe de musique. Je les vois pas, moi, à quatre pattes dans l'eau... à ramasser des cadavres, c'est pas leur rôle. Non, mais ça, là, les intellectuels du plateau Mont-Royal, là, qui ont des opinions sur tout et sur rien, comme Céline, là, si elle avait pas été milliardaire ou millionnaire, est-ce qu'elle aurait donné son opinion? Est-ce que ça aurait eu un impact? Bien, si elle n'est pas connue, ça n'a pas d'impact. Évident. Bon. Il est jaloux parce qu'il n'est pas connu. Non, c'est pas une question d'être connu ou pas. Ça apporte quoi au débat, là, M. Frédéric? Ça apporte quoi, sa déclaration? Tout le monde le sait. Ça touche les gens qui sont connus. Quand les gens connus sont touchés, ça a plein d'effets d'entraînement. Oui, mais Frédéric, tout ce qu'elle a dit, là, ça fait une semaine et demie qu'on le sait, que c'est une bande d'amateurs aux États-Unis, que le président, c'est un imbécile, que le maire de New Orleans essaie de se faire du capital politique là-dessus, alors que c'était le premier à supporter Bush dans sa campagne électorale. J'aimerais bien ça qu'on se reparle dans une semaine, juste voir si ça a fait bouger les choses. Oui, ça serait bon. Si ça a fait bouger les choses, j'aimerais que vous retiriez vos paroles. Pour terminer, pour terminer, lui, quand il va être connu, il va peut-être se faire la gueule. D'ailleurs, il s'est fait connaître en se faisant la gueule avec des clowns qu'il a créé de sa propre imagination. Créé. Vous me supportiez dans le temps. Mais coudonc, sur quelle planète vous êtes rendu, le matin? Je voulais vous aider pour que vous deviez quelqu'un. Vous êtes devenu quelqu'un, puis là, vous avez la tête enflée, puis vous apprenez à être plus grosse. Il y a un an, on recule un an, vous me dites que vous avez profité de l'occasion. Vous étiez le premier à m'appuyer. Ça, dans Star Academy, cette semaine, elle ne pense pas que pour quelque chose. Stéphane de Normétal, je ne sais pas qui a mangé du fer, lui, il se vide le cœur. Ma mère m'a prêté de l'argent pour vivre. Je suis devenu Coca-Cola. Je suis devenu cocaïnomane après avoir travaillé avec Gilles Proulx. C'est ça, la manchette. Ah, ça n'habite pas travailler avec moi. Après avoir travaillé à Star Academy. Eh bien, mesdames, messieurs, des courriels, on en a encore. Bravo, M. Proulx. Le temps vous a apporté une sagesse. C'est pas la première fois que je me fais dire ça. Et une écoute exceptionnelle. M. Gendron devra apprendre de vos expériences. Oh. Qui est l'avocat là-dedans? Qui est le diable? Pas sûr. Bravo Gilles Proulx pour des commentaires raisonnables. Je trouve ça regrettable l'attitude de Gilles Proulx de traiter les gens qui appellent et qui ne sont pas d'accord avec lui comme des idiots. Ben oui, Céline Dion pousse trop loin, comme à l'habitude. Elle pleure et tout le monde pleure avec elle. Au Québec, nous sommes dans la chapelle de la Sainte Vierge. Céline, avec son golf, devrait donner la nourriture qui reste au lieu de jeter ça. Ben oui, on ne peut pas garder la nourriture dans les hôtels. Quand on a laissé les plats à moitié pleins, madame, c'est-tu madame ou monsieur, ça, Jeanne, oui, on jette la nourriture pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Oh, ici, un petit courriel intéressant. Donc, la sortie de Céline Dion vise à préparer René Charles afin qu'il soit le prochain président américain, étant donné qu'il est né aux États-Unis. Ah! On ne sait jamais, hein? Après ben tout, il y a Brian Mulroney, ses fils vont peut-être devenir, ou enfin ceux de Pierre-Éliott Trudeau ici, puis les Kennedy, c'est dans la mode, on sait ça. On a besoin de superstars en politique. Et puis avec tout ça, on est déjà rendu à la fin. On ne peut pas dire sur quoi on va se prendre demain, mais on pourra tâcher de faire une revue. Cette émission n'était pas bonne, mesdames, messieurs. Vous pouvez toujours vous dire que demain sera meilleur, j'en suis persuadé. Oui, on va attendre. On peut parler de cette île, mon cher Stéphane. Non, mais cette île, au fond, là, ce qu'il faut comprendre, c'est le reportage. T'as-tu vu la femme qui disait... On attend-tu de bloquer une route avant que ça avance? Ben oui, ça va. Il y a déjà 3-4 trous de 10 mètres de large. Quand il y a deux bateaux qui vont enlever de bois. Oui, là, mais ça, c'est les touristes qui se plaignaient, les touristes hein, qui ne voulaient pas rester sur la côte nord. Alors, encore une fois, mesdames, messieurs, ça a été très agréable d'être en votre compagnie. Et je te laisse le mot de la fin, mon cher Stéphane, étant donné que je t'ai coupé la parole. Non, non, c'est du sport être avec Gilles Proulx tous les matins, mais enfin, on est déjà essoufflé. Hein?
On est à court d'arguments. Vous l'étiez tout le temps. J'essayais de vous ramener toujours dans vos propos anti-américains. Puis là, tout d'un coup, vous êtes un pro-américain. Je comprends pas rien. S'il est assez aigri, mesdames, messieurs... Demain, il va être pro-syndicat. C'est qu'il ne fume pas. Ben non, j'ai dit bravo aux employés d'Avon. Avon pas de besoin. Toi, tu avais besoin. Oui, mais il va arriver de quoi demain? Jeudi, vous allez être pour le syndicat. Vous allez retourner coucher dans votre cercueil? Oui, Huntington. Très heureux. Vous allez fermer les haut-parleurs maintenant qu'on vous a entendu? Pour l'après-midi, on est en plein jour, il faut que j'aille me coucher. C'est incroyable. Et puis, vous revenez aux élections? Ben non, vous me tirez vers du nez, je ne sais Arrêtez pas. Arrêtez d'être un policier à la gueule de bois. Je ne le sais pas. On sait que vous revenez et que cette émission-là va être un tremplin pour vous. Ben voyons donc. Je n'ai pas besoin de tremplin, je vais être élu si je me représente. J'ai pas besoin d'être élu. Faites attention, Churchill a fait de grandes choses durant la guerre et il a été battu. Oui, mais il est alcoolique à tremplin. Il est alcoolique, Churchill. Ray Donovan veut se débarrasser de moi. Personne.